Merlin, le petit chien magique, avec vous il va jouer. Comme il porte un collier magique, son vœu va se réaliser. Ce soir, soupire Émile. Il n'y a pas le moindre nuage dans le ciel. Merlin, tu vois toutes ces étoiles qui scintillent? Regarde cette grosse assiette ronde accrochée tout là-haut. Eh bien, ça s'appelle la Lune. Et tu veux que je te dise? Des hommes s'y sont rendus plusieurs fois dans d'immenses fusées. Cela paraît incroyable, pas vrai? J'ai l'impression que cela remonte à des siècles. Bonsoir, Émile. Qu'est-ce que vous faites dehors aussi tard? Lui demande Monsieur Legrand. Je viens de terminer une réparation sur mon bateau. Merlin et moi, nous admirions cette belle nuit étoilée. Oui, c'est vrai que le ciel est splendide ce soir. Au fait, j'étais en train de raconter à Merlin que des hommes s'étaient envolés plusieurs fois vers la Lune dans de gigantesques fusées. Tout à fait exact. Mais est-ce que tu savais que les Russes avaient envoyé un chien dans l'espace il y a de nombreuses, nombreuses années? Waouh, un chien! Non, c'est vrai? Aboie Merlin. Moi, j'adorerais aller sur la Lune. Je me demande à quoi ressemble la Lune. Peut-être qu'il y a des arbres à saucisses là-haut. Le problème, c'est que je n'ai pas de fusée. Tu sais, Merlin, je rêvais d'être astronaute lorsque j'étais petit garçon. Astronaute? Mais oui, si j'étais astronaute, on me donnerait une grosse fusée. Tout à coup, Merlin a une idée. Je pourrais utiliser mon collier magique. Merlin ferme les yeux et se concentre très fort. Fais-moi astronaute, aboie-t-il. Mais rien ne se passe. Oh, si seulement j'étais astronaute. Il suffit que Merlin prononce les mots magiques. Monsieur l'astronaute Merlin est prié de monter à bord de la fusée. Merlin, tu es le chien le plus courageux du monde. Sois prudent surtout. Je t'ai préparé des sandwichs. Et j'ai déposé dans la fusée ta balle préférée, l'orange. Lui explique Madame Moreau. Merci beaucoup. Aboie Merlin. Bon, je ferai bien de décoller. Bonne chance, Merlin. Dit Eric le hérisson. Tu m'enverras une carte postale, d'accord? Promis, si c'est possible. Bonne chance, Merlin. Dit Kiwi. J'ai déposé une petite photo de moi dans ta fusée. Elle te tiendra compagnie pendant le voyage. Je te remercie beaucoup. Salut, Toutou. Glousse Mousse. Et ne te fais pas dévorer par les abominables monstres de l'espace. Je vais essayer. Attention, ici la tour de contrôle. Le décollage est prévu dans 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5... Bonne chance, Merlin. 3, lui crie tous ses amis. 1, décollage. À travers le hublot, Merlin voit la Terre devenir de plus en plus petite. Je
Je ne pensais pas que cela prendrait autant de temps de me rendre sur la Lune. Se dit Merlin. Je n'aurais jamais dû manger tous mes sandwichs. Vous approchez de la Lune, préparez-vous à allunir. Oh, chic alors, enfin! Aboie Merlin. Dans peu de temps, je vais être le premier chien à poser la patte sur la Lune. Oh, comme c'est excitant! Remarque Merlin. Et je ne vois pas le moindre magasin à l'horizon. Oh, il faut pas que j'oublie de planter mon drapeau. Les visiteurs qui viennent sur la Lune plantent toujours un drapeau. Voilà, je suis sur la Lune. Mais je dois avouer une chose, ça n'a rien d'extraordinaire. Il n'y a personne à qui parler et rien à faire. Au moins, je n'aperçois aucun monstre lunaire. Dis donc, tu prends pour qui? De quel droit plantes-tu ton horrible drapeau tout moche sur ma Lune? Ah! Oh, je m'étais trompée! Il y a bien un monstre lunaire! Bonjour, monstre lunaire! Oula, il est temps d'utiliser mon collier magique! Fais-moi vite disparaître! Mais Merlin ne se rappelle plus les mots qui font fonctionner son collier magique. Oh, ça ne marche pas! S'il te plaît, ramène-moi aux portes des flots bleus! Oh, je ne me souviens jamais comment fonctionne mon collier. Je parie que tu manges des légumes et des pierres de lune, hein? Mais jamais de petits chiens. D'horribles petits chiens au goût épouvantable. Tu ne les manges sûrement pas, hein? Dis. Hé, tu as dévoré mon drapeau. Aboie Merlin. Il était délicieux. Et maintenant, je vais te manger comme dessert. À moins que tu n'aies apporté un poisson bien frais, dit le monstre d'une grosse voix. Attends une minute. Ta voix me rappelle quelqu'un. Les chats mangent du poisson. J'aperçois des lueurs oranges. Tu ne serais pas un abominable chat déguisé en monstre, dis-moi. Voilà une idée. Je mange des chiens, des drapeaux, du poisson, et j'aime boire du lait crémeux. Je chasse les souris. Et... Non, je ne chasse pas les souris. Je chasse les éléphants. Et c'est tout. Oh, si seulement je pouvais voir ce qui se cache à l'intérieur de ce casque. Ah, j'en étais sûre. C'est toi, Oscar. Aboie Merlin. Oh, c'est trop beurkissime. Soupire Oscar. Je me suis fait avoir par un chien. Mais que vois-je là? Un véritable festin de roi. C'est fou ce que tu es drôle, dit Merlin. Mais je ne vais pas tomber deux fois dans le même piège. Oh, ce monstre lunaire n'a rien à voir avec moi, bégayait Oscar. Et une seconde, c'est un véritable monstre lunaire. Aboie Merlin. Oh, nom d'un chat! Si seulement je pouvais être de retour chez moi, très loin de ce monstre. Oh, je suis rentrée. Je l'ai vraiment échappé belle. Soupire Merlin. En route, Merlin. J'ai terminé de ranger. On peut rentrer à la maison. Oh! Un monstre lunaire! Qu'est-ce que tu me racontes là, toi? S'esclave Émile. Ce n'est qu'une citrouille. Monsieur Legrand me l'a donné pour en faire une bonne soupe.